Ce 4 octobre 2020, la sublime Kouadio Marilyn Esteve a été élue Miss Côte d'Ivoire 2020. Si tout le monde est unanime sur son choix, tant sa beauté est époustouflante, c'est sa vie amoureuse qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques heures sur la toile, car depuis son sac, l'on assiste à des publications de son supposé copain sur les réseaux sociaux. Celui qui se fait appeler Sultan le Transitaire est raillé par les internautes qui l'invitent à oublier sa chérie, car le nouveau statut de celle-ci annonce d'ores et déjà la fin de leur relation. Devant toutes ces moqueries, le Transitaire est sorti de sa réserve pour vider son sac. Je ne suis en aucun cas embrouillé. Je sais déjà que c'est ma copine et on a enduré des années ensemble dans la joie comme dans l'amertume. Alors, pour un simple titre, elle n'osera jamais m'abandonner parce que c'est l'amour et l'amour se vit. L'amour, c'est jusqu'à la gare. Une fois de plus, félicitations à toi mon bébé, ma raison de vivre Marilyn, que Dieu t'accompagne dans cet honorable et valeureux titre. A-t-il déclaré sur Facebook. Mais, selon une tante de la Miss, la liaison entre sa nièce et Sultan le Transitaire appartient au passé et d'ajouter que Miss Kouadio Marilyn est victime d'un règlement de compte de la part de son ex-copain. Il n'a jamais accepté la séparation d'avec Marilyn, donc il profite de sa couronne pour tenter de l'atteindre aujourd'hui. Ma nièce est depuis bien longtemps séparée et ce, avant même qu'elle pense à concourir à Miss Côte d'Ivoire. Ils se sont séparés parce que la maman de Marilyn n'a jamais apprécié le jeune en question. Elle a donc tout fait pour éloigner sa fille de lui. Que ce jeune arrête cette autre forme de méchanceté. A révélé la tante au blogueur Frank Zorobi,